personne voit la même chose. Il y a deux versions qui s'opposent, mais toujours un gamin con. Là-bas, les banlieues s'embrasent frénétiques, qu'importe les discours politiques, la France devient un ring de combat. S'il faut choisir un camp ce coup-là, ce ne sera pas Jean Messia. Il y a vraiment des gens qui déconnent. Et si ma France est tombée si bas, de mon honneur j'en fais un bras, destiné à ce con qui fractionne. Tout le monde pense son avis le mieux, les points de vue changent suivant les yeux, qu'ils soient de droite, gauche ou au milieu. Un ado mort par un policier, ça restera la vérité, mais fallait-il ainsi l'arrêter? S'il faut choisir un camp ce coup-là, franchement je n'y arrive pas. Je ne vois que la mort d'une personne qui n'a pas fait de conneries autrefois. Et même s'il est bien hors la loi, fallait-il pour que lui le glaçonne? Pourquoi ce coup de revolver pour devenir millionnaire? Cette cagnotte vraiment met les nerfs. S'il faut envoyer au cimetière chaque petit conjoint au corsaire pour pouvoir à Jean Messia plaire. S'il faut choisir un camp ce coup-là, ce ne sera pas la mort pour moi. Même s'il faut stopper les jeunes qui déconnent, la justice devra taper plus fort. Mais la connerie vaut-elle la mort? Il faudrait que tous les Français raisonnent. S'il faut choisir un camp ce coup-là, s'il faut choisir un camp ce coup-là, ce ne sera pas la mort pour moi.